avez vu de vos propres yeux les actes de prodigieux, les actes de puissance. Que cherchez-vous, mes chers enfants? Que voulez-vous que je fasse pour vous, mes chers enfants? Afin que je m'agenouille devant vous, que vous puissiez voir en moi. Vous savez, au moment où il y a l'omnana, là, il y a des gens qui parlent le pontique. Que je vous donne de l'argent, car vous, l'argent est devenu votre Dieu en quelque sorte. Car vous aimez l'argent, vous pouvez beaucoup d'argent. Vous avez vu de propres yeux les actes de puissance. Mais vous continuez à croire dans les mensonges. Plein d'essences spirituelles, les églises sont venues envahir chez vous afin de vous distraire, de vous dévier de l'information du passement du bambou. Mais vous allez voir comment je vais séparer ce monde. Vous verrez de vos propres yeux comment je vais le séparer ce monde. Oh pitié, je suis triste, mes chers, mes collègues, non, les noirs, les africains, je suis triste, je suis attristé. Mes chers frères et sœurs, mes chers papas et mamans, croyez en moi. Moi, Diallo Ngana, vous m'appartenez. Vous m'appartenez réellement, vraiment. Hein? J'avais ressuscité les morts, ma femme Fouluka, j'avais ressuscité les morts étaient ressuscités. Les paralytiques avaient marché, ils avaient retrouvé la vessie de leur membrane inférieure. Et ceux qui étaient muets avaient retrouvé la parole, ils commençaient à parler. Et ceux qui n'avaient plus la vue, ils avaient retrouvé la vue. Les aveugles, donc, avaient retrouvé la vue, les aveugles. Que cherchez-vous de nouveau que je fasse pour que vous puissiez croire en moi, Diallo Ngana? Hein? Pour que vous puissiez croire vraiment? Ah, oh, mes chers enfants, vous m'appartenez! Que cherchez-vous de nouveau? Ma première mission sur terre, j'étais né à Bethléem. Ma première venue, ça ne veut pas dire qui parle, ma première venue c'est à Bethléem. J'avais seulement 12 apôtres qui avaient cru en moi, 12 seulement. Seulement 12 qui étaient mes apôtres, 12 seulement. Seulement 12 qui étaient avec moi au moment de la souffrance. Mais aujourd'hui, tout le monde, Jésus, tout le monde en Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais quel Jésus? Ce Jésus que vous ne le connaissez même pas. Vous le parlez de lui, mais vous ne le connaissez même pas. Moi, Diallo Ngana, je suis avec vous. Je mange avec vous, ensemble. Mais. C'est moi le Christ Jésus. Oh, mes chers, vous m'appartenez. Hein? Vous verrez comment je veux secouer cette humanité. Je veux secouer cet univers. Je veux secouer ce monde. Vous verrez comment je veux secouer ce monde. Malheur, je suis attristé. Toi, le nommé, le demandeur. Le noir, ah, malheur à vous maintenant. J'ai pitié. Mes chers frères et sœurs, croyez en moi, Diallo Ngana. L'accomplissement, c'est accompli. Vous m'appartenez réellement.
Jérusalem était descendu. Pour toi, toi qui m'appartiens, je suis venu pour toi, je suis venu pour toi. Mais afin que tu puisses y accéder de la manière les autres aussi qui étaient avant, ils y ont accédé, ils ont eu accès. Hein? Je l'ai fait pour toi. Mais toi, malheureusement, tu es orgueilleux, tu es plein d'orgueil. Tu dis, bah, qu'est-ce que tu vas avec le bambou? Tu es pas sur le roi qui va m'en donner, tu peux remettre de l'ordre interne. Et tu dis que tu es son âge, tu es en arrière. Non, non, ça ne m'intéresse pas, je suis. Oh, j'ai pas trouvé, c'est pas important. Et moi, je suis attristé. Je suis triste pour vous. Qui a dit mon modèle? Vous venez, je suis triste pour vous. Malheur à vous. C'est dommage. Je suis très attristé. Yom bien-né. Je suis attristé. Mais non, c'est vrai. C'est maintenant ce qu'il est pour. Mais toi, donc nous, Kimbangu, nous les Kimbangu sont en miniature. Nous les Kimbangu en miniature. Nous sommes investis des capacités aujourd'hui afin d'aller porter son enseignement à travers le monde entier, apporter l'enseignement. Et que c'est Kimbangu, c'est Kayala. Donc, Tata Kimbangu va régner. Le règne de Kimbangu est là maintenant. Le millénaire, c'est l'esprit. Sa divinité, pas seulement Kimbangu. Il est là, le règne est là. Mais pas seulement Kimbangu, Kimbangu. Mes chers enfants, vous qui m'appartenez, gardez bien mon enseignement. Vous savez comment il a résumé? Bolingo, Mibeko, Bisala. Le bon Mimi. Hein? Où le ton dit ça? Zola, Sifu, Bisala. Zon dit ça. Zon dit ça. Zon, Zola, Sifu, Sanu. Le Zon dit ça. Hein? Donc, la gouvernance de la Kimbangu est imminente. La gouvernance de la Kimbangu est imminente. La gouvernance de Tata Kimbangu est imminente. Voilà un peu le cantique que j'ai voulu développer en cette thématique d'aujourd'hui, parce que je t'ai dit, on est au mois de mai, il y a des humains. Voilà. Merci. Oui, papa, vous pouvez se donner des questions. Les moments qui viennent d'arriver, si vous avez des questions. Je disais tantôt que j'étais un peu, comme papa, dimanche dernier, j'ai partagé le médical avec vous. Papa, président de l'UGIC, m'avait dit, papa, il y a quoi, regarde, vous avez mis ce mois là, pour vous avez mis ce mardi. Il dit, bon. Après, en arrivant ici, il me dit que non, papa, David est prévu pour mardi prochain pour Noël. Je dis, mais finalement, je vais faire quoi? Alors, j'ai voulu trouver un truc qui va avec. Parce que mon thématique, c'est facile, c'est Noël. Parce que c'est le mois de mai, nous devons porter le Christ, pour pas de l'Ongana. Le montrer à l'humanité, c'est bien lui pour être le Ongana, le Christ. Et finalement, j'ai appris que mon papa David Biongé va intervenir pour dans le sujet de Noël le mardi prochain. J'ai dit, mais finalement, je vais faire quoi? Donc, j'ai dû improviser à partir de ce cantique, ma série. Et ce cantique-là, il retrace un petit peu les deux effets en même temps. Nous célébrons, dans le 18 mai prochain, l'anniversaire du premier cantique officiel inspiré par Tata Kimbangu. Donc, le premier cantique Kimbangu, c'est capté par Papa Yohann Mokoko. D'ailleurs, c'est pour faire état, c'est le cantique qui dit « Amakesa Manungini, nous voit témoigner nous ». Donc, les vaillants soldats, nous sommes vainqueurs. Les vaillants soldats vainqueurs, revêtez les enfants de combat. Et d'ailleurs, moi, je te dis que, excusez-moi, je me mets debout, quand je parle des cantiques, de ce cantique-là, parce que les 18 mai, il y aura des humains. Le cantique là pour moi, c'est carrément modèle. Parce que c'est dit quoi? Amake Samanou Guidi, nous voit témoigner nous. Les voyants soldats, vainqueurs, revêtez le scaphandre de combat. Kwaï Sounoussa Bounoa, nous serons en prière avec auprès de Jésus-Christ. Nous voit témoigner nous. Et moi, souvent, les Makesa, les scaphandres, j'appelle ça le Bolingo, le Beko, le Sam. Et en France, où nous sommes, en tant qu'ambassadeur, j'appelle ça comme étant l'immunité diplomatique de tout Kimbanguiste hors de Nkama. Parce que Nkama, c'est notre nation. C'est là-bas notre territoire où nous sommes en libre mouvement. Mais une fois sortis de Nkama, on devient des ambassadeurs de Kimbangu. Et donc, notre immunité diplomatique est référée et on est en adéquation avec le bon Mimi. Si je n'ai pas de le bon Mimi, eh bien, mes amis, tu es vulnérable. Tu n'as plus de jusqu'à fondre. Et là, Lucifer, ceux qui sont de la Sojaka, il s'est un esprit aussi. Hein? Alors, quand tu as le bowling, on me fait comme ça là, ah, il sera loin de toi. C'est ça. Donc, le maquet, ça m'a nous guiné, nous voit témoigner nous. Quand il soit, je vais trouver le cantique en question. Dans le livre, les recueils de cantiques, à maquet, ça m'a nous guiné. C'est un cantique capté par Papa Yohann Mokoko, Jean. Yohann Mokoko, le premier inspiré officiel, parce que les cantiques étaient bien là, bien avant, mais d'une manière officielle,
c'était celui qui était retenu. Amakesamanoumi, c'est le cantique numéro 4 dans le recueil de cantiques. Hein? Le numéro 4, il nous dit ceci. Voilà. Les voyants soldats, revêtez vos armures. Voilà, les armures. Les armures. Donc, tu, comme les pieds gauches, tu me dis que c'est pourquoi d'ailleurs, pour moi, c'est mon point de déshonneur. Ce cantique-là est très fondamental. Voilà. Deuxième couplet. Mwanando sankunu sambula. Mwanda osaku sambula. Munamoko mamvuluzi. Mbeni osaku mfinama. Kanu kitake sanga. Donc ici le deuxième couplet dit Mwanda osaku sambula. Donc l'expulsé d'esprit, le papa qui m'a manqué un nom. Munamoko mamvuluzi. Papa c'est moi qui m'a manqué un ami. Va te sauver de. Donc même quand l'ennemi t'approche, eh ben, tu n'auras pas de problème. Troisième couplet, nous talako vuluzi. Nyona okuna sundisa, munamvita yiunwao. Nous voit témoignons. Donc, regardez le sauveur, faites confiance au sauveur. Nyona tu vas te rendre vainqueur, munamvita inayao. Donc, dans les affrontements, dans les confrontations que tu auras, c'est lui qui te rendra vainqueur. Quatrième, nous samba kwanzambiose. Nous allons donc prier Dieu, Dieu le Père, nous yekole. Donc, ce qui est confié à vous, Jésus Christ, nous voit témoignement. Donc, Christ Jésus Christ est notre sauveur. Cinquièmement, enfin, Jésus, wayikole. Donc le Christ était redonné pour en pâture, et c'est on l'a crucifié sur la croix. Mengamandi masolele, matengole, unaku tukiandisa. Donc il a donné son corps en pâture pour nous rendre, apporter la lumière. Unaku tukiandisa, kiandisa. Voilà. Voilà un peu ce cantique fondamental, le repère, le premier cantique officiel. Le tata qui m'ont donné, qui m'ont guise, qu'on appelle Amakesa Manoubi. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.